Et à suivre le match que tout le foot espagnol attend aujourd'hui, le derby madrilène entre l'Atlético et le Real, ici au Wanda Metropolitano. Salut à toutes et tous, ici Madrid, le Wanda Metropolitano, sous la pluie, ce qui n'a pas dissuadé les spectateurs à venir. Ils sont très nombreux dans les tribunes. Nous allons bien évidemment vous commenter ce match avec Pierre Ménès. On va donc voir du foot espagnol aujourd'hui ensemble avec ce match de la Liga Santander. L'Atlético de Madrid face au Real Madrid. Mais l'opposition aujourd'hui encore entre deux équipes qui vont chercher à bousculer d'entrée leur adversaire du jour. Nous, on veut du spectacle et puis tout. Modric. Benzema. Toni Kroos. Attention, il a du ballon. Kieran Trippier. Dépossédé du ballon à l'Atlético. Le Real Madrid, on les appelle les meringues. Vous aimez les meringues, je crois, Pierre? Oui, j'adore ça. Alors là, pour le coup, c'est vrai, j'adore ça, les meringues. Voilà un commentaire techniquement tactique et technique qui va énormément apporter à nos amis joueurs. Ok. Ouais, il a mal lu le jeu en déclenchant son appel. C'est un hors-jeu. Karim Benzema, qui est l'un des joueurs qui sera le plus suivi par le public et ses adversaires aujourd'hui. Ouais, il enquille les buts en ce moment. À ce rythme-là, je ne sais pas où il va s'arrêter, mais il faudra le surveiller aujourd'hui, c'est sûr. Oh, ça peut tout changer s'il marque. Et le but pour le Real Madrid. Le premier but dans cette énorme affiche. C'est le Real Madrid qui prend la tête. Con el 21, Odegaard. Ok. Ça roule maintenant. Modric qui intercepte. Il vient gêner Toni Kroos dans la construction. Il y aura un coup franc pour l'Atlético. Fernand Mendy. Allez, il a un petit peu d'espace sur l'aile. Ouais, il a le temps de centrer. Karim Benzema. Modric. C'est une perte de balle pour le Real. Ouais, les joueurs qui obtiennent ce qu'ils voulaient, c'est-à-dire le ballon, avec un bon pressing. Oh, que c'est mal défendu, c'est pas bien défendu. Luka Modric. Oh, le but peut-être. Oh, ça y est, le danger qui s'éloigne. Oh, la défense a eu chaud. Je crois qu'il y a eu un but à l'Estadio de la Ceramica. Est-ce qu'on peut savoir, Villarreal? Oui, oui, Hervé, c'est le premier but pour Villarreal. Un but à zéro, donc, après 31 minutes de jeu, Hervé. Ok, c'est bien noté, merci beaucoup. Changement de possession. Ça sort, ce sera une touche. Voilà, la mauvaise remise en jeu. Le ballon directement rendu à l'adversaire. À noter que le ballon risque de fuser un petit peu parce que la pelouse est détrempée. Hein. Allez, attention sur les prises d'appui aussi. Ouais, le ballon est perdu. Et ce sont donc les deux grands clubs madrilènes qui s'affrontent aujourd'hui, Pierre. Ouais, en général, ça donne des derbies plutôt tendus et sportivement, on ne sait jamais à quoi s'attendre entre le Real et l'Atlético. Il y a parfois des surprises. Non, c'est vrai que dans un passé récent, l'Atlético avait gagné 3 fois de suite à Bernabéu. Oui, le Real qui perd 3 fois de suite à la... Il va s'offrir un duel avec le gardien. Et le but ! Ça fait 2 buts d'avance désormais pour le Real Madrid. Sur ce ralenti, on voit la belle inspiration de Luka Modric. Plus le ballon donné dans la profondeur. On voit le joueur qui échappe à la défense et qui vient tromper le gardien. Ouais, exploit individuel, belle preuve de sang-froid dans le dernier geste. Le Real Madrid qui s'approche du but. Il est allé au charbon pour prendre ce ballon. Yann Oblak, sans problème. Et voilà. Le Real Madrid qui va donc aborder cette seconde période avec un avantage au score.
Luka Modric. Un bon ballon récupéré par les matelassiers de l'Atlético. Geoffrey Kondogbia. Suarez. Ça peut être dangereux là s'il lance la contre-attaque. Ouais, le contre en restera là. Ils ont perdu le ballon. On retrouvera la Liga espagnole avec cette rencontre. Nous suivrons l'Atlético de Madrid qui affrontera Valence à l'extérieur. Allez, l'occasion de réduire l'écart. Oh, la parade exceptionnelle! Oh, quel arrêt! Ah, c'est magnifique et d'ailleurs ses coéquipiers le félicitent. Excellent corner frappé par Coquet. C'est mal joué, c'est mal joué ça. Rich qui contre. Ce sera une remise en jeu après ce ballon qui a été dévié. C'est bien intercepté là par Eden Hazard. Et ça sort en touche. Le ballon qui a été dévié et qui sort en touche. Geoffrey Kondogbia. Stefan Savic. Coquet. Saoul. Luis Suarez. Ouais, la bonne lecture de la trajectoire de la part du gardien. Il va essayer de relancer vite. Tiens, Pierre, rappelez-nous qui sera le prochain adversaire du Real Madrid. Le club va se retrouver opposé au FC Séville pour cette prochaine rencontre. Ce sera pour le compte de la Liga. Un match serré, si tu veux mon avis. Allez, attention à l'éventuelle contre-attaque. Attention, on ne peut plus l'arrêter. Attention. Ah, la défense qui a du mal. Il a réussi le triplé. Manifestement, la défense n'a pas trouvé la solution avec lui. C'est un joueur qui avait fait un gros travail en éliminant ce défenseur. Cette perte de balle, elle leur coûte cher. Ouais, après, ça va très vite. Hein, mais le buteur signe un bel exploit individuel. Le spectacle au rendez-vous aujourd'hui avec ce score de 3-0. Bonne lecture du jeu sur cette interception. L'entraîneur de l'équipe locale qui va faire entrer du 109. Oui, on va voir si ces changements vont entraîner un repositionnement tactique. La passe de Modric qui n'arrivera pas. Ouais, bien joué par-dessus. Ouais, elle a du potentiel cette attaque. Ça peut très bien faire un but. De Suarez. Ouais, il est passé. Toi, attention, c'est pas terminé. Oh, c'est encore chaud. Et encore une intervention du gardien. Le ballon qui sort. Salta al campo un refuerzo del banquillo del Atlético de Madrid. Sale del partido. Il cherche le point de penalty. Kondogbia. Ah, il dégage le ballon. Allez, peut-être une possibilité de contre-attaque. Voyons voir. Ils ont continué à progresser. Attention. Il va être à bout portant. Le gardien qui ne peut que repousser. C'est pas terminé. C'est intercepté par Sergio Ramos. Le remplaçant qui est prêt à faire son entrée sur le terrain devant son public. Oui, ça devrait se faire au prochain arrêt de jeu. Enfin, si le quatrième arbitre ne se plante pas avec ses panneaux. Équipe visiteuse qui aura réussi à faire taire le public. C'est assez rare pour être souligné. Hein. Grosse domination sur le terrain. C'est vrai qu'il n'y a plus vraiment d'ambiance dans les travées. Hein. Non, là, c'est plus le centre deuxième poteau. C'est le ballon qui était bien parti, mais qui a touché le poteau et qui est sorti finalement. On peut parler de manque de réussite pour le coup. Un changement d'homme qui se prépare et qui va être effectué. Plus que 4 minutes à jouer dans le temps réglementaire. Odegaard. Oh, le ballon dangereux. Un superbe frappe en finesse. Le gardien qui est battu. Cette équipe qui assomme encore un peu plus l'adversaire. Eh bien, je prends mon petit Hervé avec la mèche édite. Ouais, ça fait 4-0 maintenant. L'addition commence à être lourde. Une minute. Il y aura une minute seulement de temps additionnel. L'arbitre qui met un terme à ce choc. 3 points